Bonjour, je suis Éric Duchemin, je suis le directeur du laboratoire sur l'agriculture urbaine basé à Montréal. Comme je le disais, je suis le directeur d'un laboratoire sur l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, c'est l'alimentation. Donc, pour moi, la transition, c'est beaucoup relié à, je le prends par l'alimentation, donc un changement de nos habitudes alimentaires, de revoir le système alimentaire actuellement et de le modifier parce qu'on le sait qu'il a des impacts environnementaux, qu'il n'est pas viable à long terme. Donc, c'est de le revoir grâce à la production alimentaire, soit dans les potagers par les gens ou encore en ville avec des fermes. Et c'est de faire en sorte qu'on réduise notre empreinte écologique le plus possible, mais qu'on devienne aussi de plus en plus conscient des autres et de nos actions au niveau de l'alimentation. Mais bien entendu, ça peut se faire au niveau de la mobilité ou d'autres sujets qui ne sont pas les miens. Donc, je suis venu à la Biennale parce que déjà, il y a un colloque sur l'agriculture urbaine. Et je pense qu'au niveau de la transition, de passer le message au niveau de la transition alimentaire, parce qu'on parle beaucoup de transition au niveau de la mobilité, au niveau de changer nos villes, changer l'habitat, mais au niveau de l'alimentation, je pense que c'est important de passer le message et de voir, de s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs. Donc oui, je voyage beaucoup à travers le monde, malheureusement, donc j'ai une empreinte écologique. Et là, j'étais déjà en Europe, donc je me suis dit, je vais profiter de ce moment-là pour poursuivre et ne pas augmenter mon empreinte carbone. Donc, j'étais en déplacement et je suis venu pour quelque part me documenter et aussi informer les gens sur le lien entre l'agriculture urbaine et la transition et l'alimentation.